Salut internet, c'est Kamof. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va essayer de sortir un peu du concept de ce qu'on fait d'habitude pour se diversifier un peu, pour qu'il y en ait pour tout le monde, voilà. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui est assez drôle. Je vais aller voir des gens qui sont dans la rue, je vais leur faire la bise, je vais faire comme si je les connaissais alors que je les connais pas du tout, pour voir leur réaction et pour voir s'ils rentrent dans mon jeu, pour au final savoir s'il y a des gens qui sont francs ou s'il y a des gens qui vont faire comme s'ils me connaissaient parce qu'ils osent pas me dire qu'ils me connaissent pas, voilà. Donc on va aller un peu partout dans Marseille, on va faire le tour, on va tourner peut-être toute la journée, je sais pas encore. Et voilà, donc c'est juste vraiment pour se diversifier. Ne croyez pas qu'on fait des vidéos uniquement sur les animaux ou uniquement sur les sauvetages, tout ça. Là, c'est vraiment pour faire des choses à part et faire un peu de tout et pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo en entier et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao. Oh putain, salut, ça va? Ah, mais on se connaît pas. On se connaît. Oui. Allez, je vous laisse deviner. D'où on se connaît? Allez, devinez. Le stade. Deux? Le stade, peut-être. Ah, je sais pas, peut-être. Vous me rappelez pas, pardon? Quoi? En plus, vous me faites même pas la bise, c'est pas bien. Je te fais la bise de l'autre, mais je veux que tu es. Eh ben, rappelez-vous. Qui tu deviens? Qui tu es? On me rappelle plus. Qui tu es? Ah, pour de bon? Eh oui, tu me fais la bise, je te reconnais pas. Ah, bah, alors je te laisse deviner. Allez, vas-y. Vas-y. Quel endroit? À Marseille, ici. En plus, je me dis pas que tu es pas marseillais avec l'accent que tu as, quoi. Je te reconnais pas. Pour de bon? Eh oui, qui? Pour... Tu me reconnais pas du tout? Non, sinon, je te régis, oui, ma foi. Oh, ça va quoi, frérot? Allô, tu te rappelles pas de moi? Allez, on tient la poussette, les filles. Ça y est? Non. Pas du tout. L'école? T'es à quelle école? L'AME. Non, 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 du tout. Ça dépend. Du tout. Le foot? Le foot. T'es sur la bonne voie, c'est bien. Au bagne? Au bagne, exact. Après? TDC? TDC. Tu te rappelles pas de moi? Oh putain, on va pas changer là, ça fait combien de temps? Ah, ça fait un bail, je sais pas comment ça fait maintenant. Presque 10 ans, hein. Presque, hein. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça va quoi, frérot? Alors? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu deviens? À 3 bises, tu veux faire? Pardon. Qu'est-ce que tu deviens? Tu dois confondre avec quelqu'un? Non, non, pas du tout. Ah non, je ne pas du tout. Hein? Je confonds pas du tout. Bon, moi, je suis très physionomiste. Tu te rappelles pas de moi, pour de bon? Pas du tout. Déjà, le maillot que tu as sur toi, frère, c'est un gilet. Mais normalement, tu devrais te rappeler. Oui, comme tu dates, gros. Ça va quoi? Tranquille? Alors, qu'est-ce que tu deviens? Devine qui je suis. Pour de moi, tu te rappelles pas de moi? Non, je te... Tu te rappelles pas de moi? Tu me fais la bise, mais je te connais pas. Mais gros, si tu me reconnaîtrais pas, tu m'aurais pas fait la bise. Comment, frère? Anthony. Je connais pas d'Anthony. Eh oui, tu viens d'où? Moi, je suis pas du secteur, je suis pas trop d'ici à la base. Non plus, je suis pas du secteur. Mais voilà, ben. Si tu pas du secteur et comment non plus, ben on se connaît d'ailleurs, frérot. C'est fou, vous avez. Non, je sais pas, Alzheimer, pas à votre âge quand même. Non, 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 pas du tout, non, je sais. Non, ah oui, ah oui. Ah, quand même. En plus, je suis physionomiste, moi, je suis pas quelqu'un qui. Vas-y, dis-moi tout parce que là, je suis perdu. Eh ben, je vous laisse encore une chance, allez, devine. À Marseille, stade à Marseille, il n'y en a pas. Ah ouais, il y en a, avec Loïc ou Nathan, de toute façon. J'ai deux fils. La dame, elle a. La dame, elle a... Mais oui, mais oui. Eh oui. Quel âge tu as? 40. Quel âge tu as? J'en ai 25. Mais on se voit. Hein? Adolâtre? Exactement. Tu te rappelles pas de moi? Oh putain, j'étais petit. Eh oui. Tu as 25 ans? 25, eh oui. Tu m'as reconnu, bravo. Eh ma foi, ça va. Bonjour madame, hein. Bonsoir. Excusez-moi. Tu as 25 ans. Ça, tu me reconnais pas, ouais. Eh non, putain, mais attends, tu je mais vois. Est-ce que tu te rappelles? La bande des plus jeunes, là. C'est ça. Tu as fait comment pour me reconnaître? J'ai physionomiste, comme ça, j'ai beaucoup de mémoire. Bravo. Ça va, attention? Je sais pas, si je non, pas, pas de soucis, ça arrive. Attends. Je voyais pas. Ben oui, mais d'un coup, je t'ai dit, ça m'a flash. Eh ben, c'est genre de flash. Mais après, je sais pas. Vous vous rappelez pas de moi? Non, excuse-moi, mais alors, il va. C'est pas grave. C'est pas grave. Eh oui, d'habitude, en plus, on se fait la bise et tout. Eh oui. Vous avez deux enfants, il y en a un qui s'appelle Nathan, je sais, c'est un collègue à moi, c'est un ami à moi. Moi, c'est Anthony, vous vous rappelez pas de moi? Anthony? Toujours pas? Anthony, comment? Anthony qui joue avec Nathan. Non, Nathan. Non, mais j'ai joué avec Nathan, ouais. À lui, non? Oh, je te dis, je te connais pas, frère. Je te reconnais pas, frère. Je te connais pas, frère. Chiki, tu es un Condé, frère. Chiki, non, je sais pas. Non, je pas connais pourquoi je suis un Condé, frère. Je sais pas, frère. Non, c'est gros, à la base, on se connaissait. Tu allais où à l'école? Ah là, attends, je vous ai tout dit, hein. Général, je vous ai dit. Avignon, mais pas Avignon, tu viens à Marseille, mais ça c'est bizarre. Oui, à Marseille, ouais. Pas Avignon. À Avignon, j'y vais pas. Avignon. Une heure et demie de route. Non, non, écoute, j'arrive pas. C'est vrai? Anthony. Ah, c'est pas grave. Sérieux, là, dis-moi tout alors. C'est pas grave, ben, là, y a une caméra cachée dans la voiture là-bas. En fait, je vous connais pas du tout. Ah, ça va. Tu te rappelles pas du tout, du tout. Sérieux, je me rappelle de Mika. Ouais, ouais, moi, Mika, ben oui. Mais Mika, ben moi je restais avec Mika. Beaucoup avec Mika. Anthony, ça te dit rien? Ouais. C'est bon? Ouais. Ça va ou quoi? Ça va, toi? Il se rappelle de moi maintenant. Alors, qu'est-ce que tu deviens?
l'école continue. Hein. Tu continues toujours, toi? Non, non, le foot, j'ai arrêté. Ouais, moi aussi, j'ai eu des problèmes à la jambe. Ouais. Ça a l'air, ça a l'air. Frérot, si je t'ai dit un truc, tu vas le prendre mal? Non. Parce qu'en fait, c'est une caméra cachée, je te connais pas du tout. Je te jure, c'est vrai. Sérieux? Ouais, là, là, la caméra dans la voiture. Tu sais que tu m'as. Je suis fort ou pas? T'es fort, t'es fort. Désolé de vous avoir fait perdre de temps, je le connais pas en fait. Vrai? Non, c'est une caméra cachée, non. Je le connais pas. Ouais. Et tu m'as reconnu aussi. Eh oui, mais tu sais pourquoi je t'ai reconnu? Non. Parce que je te connais pas du tout. Pour de bon? Tu m'as fait la fête? Ah, c'est bon. C'est une caméra cachée, frérot. Jure-le. Ouais, c'est pour voir si les gens arrivent à les emboucaner. Tu m'as niqué. Cru, ça, c'est vrai. Tu m'as fait une caméra cachée, mon fils. C'est quoi? C'est toi qui passes sur le. Ah putain, plus ça marqué ça dessus. Eh oui, eh oui. Ouais, c'est toi qui fais les trucs sur les animaux. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais, t'as reconnu, tu vois. Eh oui. Mais je le connais, mais il me dit que non. Mais je suis sûr que je te connais, frère, j'ai inventé rien. La tête de l'angle. Non, tu es sérieux, frère. La tête. Eh oui, fais des vidéos. Ah putain, mais c'était pas ça le but, mais tu m'as reconnu. Ah, yeah, tu es pas d'accord. Parce qu'en fait, j'essaie de. C'est une... Ouais, c'est ça, c'est une caméra cachée en fait. Voilà, il y a mon collègue dans la Mercedes là-bas. Il filme, tu vois. Et... Ah, il me l'a fait pas l'envers, il est fou. Pas, je te connais pas, mon pote. Tu es allé où à l'école? Je te connais pas. Mais non, mais à l'école, tu es allé. Toi, tu me suis, frère. Je suis pas gros, je me. Tu me suis, frère. Vas-y, bouge là. Ah, gros, pourquoi tu t'énerves, ça? Bon, vas-y, mon pote. Pourquoi tu rends couteau, mon frère? Ça va, frère? Tranquille, c'est bon, c'est bon. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Vous me voyez en pleine forme, vous me voyez devant une caméra, debout, de préférence. Là aujourd'hui, je suis couché. Je suis très ému de ce qui m'est arrivé, j'ai presque envie de pleurer. Mais je vais pas le faire parce que je reste un homme et j'ai ma fierté quand même. Hein. Mais aujourd'hui, je les ai là. Et j'ai presque envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter les vidéos, j'ai tout envie d'arrêter. Je me suis pris un coup de couteau pour rien, d'accord? Pour un mec qui est complètement dégénéré de la tête. On sait pas qui c'est. On a sa tête, mais on l'a jamais vu, on ne connaît pas. Enfin, bref. Aujourd'hui, je suis obligé de rester collé à mon lit. Je peux plus dormir sur le ventre parce que j'ai extrêmement mal. Je peux plus parler fort ni rigoler parce que ça me tire. J'ai eu des points de suture. Je suis resté un jour à l'hôpital, j'ai dormi à l'hôpital. Alors d'aujourd'hui, j'ai une infirmière qui vient tous les jours pour me changer le pansement. Et j'en peux plus, j'ai vraiment envie d'arrêter parce qu'il y a des fous partout. Enfin, bref. Je fais cette vidéo pour tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui nous supportent, tous les gens qui, malgré tout, portent notre marque, tous les gens qui achètent nos vêtements, tous les gens qui partagent nos vidéos, tous les gens qui croient en nous et qui nous supportent depuis le départ. Aujourd'hui, je suis allongé sur un lit. Ça va pas durer longtemps, j'espère. Mais je suis en arrêt de travail, j'ai arrêté le travail. Enfin, c'est vraiment juste un message pour vous dire qu'il ne faut pas reproduire ça chez vous. Ne faites pas les mêmes choses. Ne faites pas des expériences sociales comme nous. Nous, on prend des risques et pourtant, on tient à la vie. Mais je veux dire, je m'adresse aux plus jeunes. Ne faites pas des trucs comme ça. Évitez de rigoler avec les gens. Les gens en 2017, ils n'ont plus trop envie de rigoler. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour tous les sceptiques, je vais quand même montrer le bandage, d'accord, que j'ai. Regardez. Là, c'est mon bandage. D'accord. Et ça, bon, ce que vous voyez autour, c'est la bétadine. Je vous montre. Ici, vous voyez, il y a encore un peu de... Ça n'a pas très très bien cicatrisé. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ça n'a pas encore très très bien cicatrisé. Je peux pas vous montrer la cicatrice. Je peux pas vous montrer les points de suture parce que j'ai pas le droit normalement d'enlever le pansement pour risque d'infection. Voilà, je suis condamné à rester ici, à regarder les filles d'à côté parce que j'aime ça. Et voilà. Donc honnêtement, je ne sais pas si on va continuer les vidéos, mais sachez que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, même si on arrête, on ne le regrette pas. Et on n'oubliera jamais les personnes qui ont été présentes pour nous. Voilà. Si vous voyez une mercredi, si on décide de continuer les vidéos, vous verrez une vidéo mercredi prochain à 18h. Si vous n'en voyez pas, ça veut dire que Kamov s'est éteint. Voilà. Je vous fais de grosses bises. Pour tous les gens qui veulent acheter les t-shirts, il y aura le lien en bas, hein, parce que j'ai beaucoup de demandes sur ça. Et pour tous les gens qui veulent nous suivre sur Snap et qui veulent savoir si on continue les vidéos avant tout le monde, tout ça, n'hésitez pas à nous rejeter sur Snap aussi. C'est Kamoff, C-A-M-O-F-F. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Déjà, elle est plus longue que d'habitude, celle-là.
Juste vous le voyez à mon visage, je suis blanc, je suis pas en forme du tout. J'ai mis la casquette parce que sans ça, j'ai une gueule de mort-vivant. Et voilà, donc je vous fais un gros bisou à tous. Merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et peut-être à la prochaine. On verra selon le mental qu'on a. On va voir. Ciao, merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao.